vous embarque pendant 24 heures avec moi. Super journée, super intéressant. Oui, j'ai assez de narcissisme pour croire que ma vie est super intéressante. Matinée. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo 24 heures avec moi. Meilleure intro de YouTube, hein. Je commence mon intro, je suis en train d'étendre mon linge. Enfin, ça montre bien la journée que vous allez passer. J'ai voulu faire cette vidéo 24 heures avec moi parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée sur Instagram pas mal de fois. Notamment parce que je suis étudiante et puis c'est tout en fait. Vous allez voir que la vie d'Andrew Phoenix et de toutes ces personnes youtubeuses qui ont des vies fabuleuses, hein, je vous l'accorde, et bien loin de ma réalité personnelle. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, je suis étudiante, je fais aussi YouTube à temps plein, mais et je ne peux pas bouger autant parce que bah, les études, ça se prépare. Donc j'ai vécu ma meilleure vie de youtubeuse avant ces périodes-là, et puis après j'ai décidé bah, de me poser. En plus c'était bien, il y avait la hype et tout. Maintenant, bah, je fais ma petite vie tranquilloute dans mon Toulouse. J'ai fait le choix il y a un an, il y a deux ans, un an et demi maintenant, de plaquer mon rêve parisien. Parce que j'étais en train de chercher un appartement sur Paris pour vivre YouTube à fond. Et puis finalement, revirement de situation, j'ai eu plein de choses qui me sont arrivées et qui m'ont amené à me dire fuck, YouTube ça te casse les couilles, même si vous ne me cassez pas les couilles. Qui m'a amené à dire non, en fait t'as pas envie de faire ça, ça te saoule ce monde. Donc j'ai participé à plein de choses où il y a plein de choses qui m'ont gênée dans YouTube et je me suis dit non, fais pas ça. Ce que tu vas faire, ma petite Léa, c'est que tu vas t'acheter un appartement à Toulouse et tu vas reprendre tes études. Quand j'ai annoncé ça à mes parents, jamais vu des parents aussi contents. Et du coup, ben voilà, aujourd'hui je vous embarque là-dedans, vous allez voir ce que c'est ma journée type. Ouais, ça va être carrément une journée type de partiel. Et avant de commencer, vous m'avez lancé un challenge que j'accepte clairement en utilisant que des produits faits soi-même. J'accepte. Donc, je vais commencer aujourd'hui à recenser tous les produits que j'utilise au quotidien et qui demandent bah, de l'achat, la lessive, le gel douche, le truc pour laver la vaisselle, etc. Donc, aujourd'hui et dans les jours à venir, je vais essayer de trouver autour de moi tout ce que j'utilise au quotidien et qui peut être refait pour que je puisse acheter les substituts et recréer tout moi-même. Donc voilà, c'est une grosse journée pour moi, je suis bien dans les horaires, je pense qu'il est 7h. Donc sur ce, je vous emmène dans ma séance de torture quotidienne. Alors ouais, ma petite tenue elle vient de chez Océan Apart, c'est trop cool parce que je vous vendais des affaires de sport alors que j'en porte jamais. Non, je comprends pas cette marque. Elle a sponsorisé 300 000 personnes, j'en peux plus d'en entendre parler, ça a l'air super, mais pourquoi vous sponsorisez des gens qui font pas de sport? Surtout que les meufs, elles le citent 300 fois par story, par vidéo en mode « Oh là là, ça c'est trop mon femme !» Et surtout, je me dis « Mais meuf, tu fais pas de sport ?» Bref, pour ceux que ça intéresse actuellement, je suis, quand je filme cette vidéo, à la dernière semaine de sport, donc ça va faire 2 mois que j'en fais. Après le bilan de tous les changements et tout dans une vidéo, je suis hyper contente de tout ce qui en découle. J'avais peur de trop maigrir et pas me gainer, etc., etc. Donc finalement, je suis hyper contente. Mais je vous en parlerai pas dans cette vidéo maintenant. On attaque Insanity la dernière semaine. Hein. J'ai les cheveux dégueulasses, c'est un parti pris de ma part. Sachant que cette semaine, je suis en semaine de révision. J'ai clairement grave envie de laisser mes cheveux gras pendant toute une semaine pour les nourrir et les hydrater à fond. Donc ouais, je me suis pas maquillée le teint, j'ai les cheveux dégueulasses, je suis pas youtubeuse beauté, moi je suis une meuf lambda. J'ai commencé à faire une liste de choses dont j'avais besoin, donc dentifrice, crème hydratante, shampoing, après shampoing et déodorant. Ça va être si dur les gars, il faut aussi que je fasse le liquide vaisselle, la machine à laver. Donc si vous avez des conseils, des astuces et tout ça à me
donner, si vous avez des recettes, etc., ou des sites à me conseiller, n'hésitez pas à le mettre. Et franchement, si vous venez faire le challenge avec moi, qu'on se soutient tous mutuellement, ça va le faire. Donc aujourd'hui, mission, ceci. Alors ceci est un déodorant, c'est vraiment le meilleur déodorant que j'ai pu tester dans ma life. Un déodorant solide, genre je veux dire que quand je mettais ça, j'avais pas de transpi, pas d'odeur. Bah du coup, on va le re-remplir. Mais on va tenter de faire une recette, donc on va la faire ensemble. Pour ce tuto, il faut du bicarbonate, de ça, qui est donc de la fécule de pomme de terre, quoi, orange, citron, bah, voilà, ça, et ensuite il faut prévoir tous les récipients pour faire cuire ça au bain-marie. Bon ben, j'ai l'impression d'être dans Narcos. Ah, il faut faire du bain-marie. Évidemment, moi le bain-marie c'est le micro-ondes. Mais on va essayer de faire les choses bien. Ce qu'on va faire, c'est que dans une casserole, on va mettre, c'est une casserole qui est en train de chauffer, on va mettre ça, qui est pour tamiser la farine, et ça par-dessus, qu'on va mettre dans l'eau comme ça, pour faire chauffer le truc. Je vous jure, Pablo Escobar n'a qu'à bien se tenir, hein. Qu'est-ce qu'il nous faut? 10 grammes de ça. Vas-y, on va faire le double. Je suis chaud. Il nous faut 8 grammes de bicarbonate, soit du coup 16 grammes. Ah, mais ça coule en dessous. Il faut de la fécule de patate. Oh non, ça va être encore le bordel chez moi. Oh, c'est pas grave. C'était pas du tout ça comme ça qu'il fallait le faire, mais on s'en fout. C'était une très mauvaise idée, mais bon, tant pis. Franchement, c'est pas hyper écologique hein, de faire chauffer autant d'eau pour faire 20 grammes de déodorant. Mais vas-y, le bain-marie, c'est vraiment chétane. Genre, ça dure 8 ans là. Et voilà. Évidemment, on s'en sert pas comme ça. On le ferme et on le met au fridge. Bon, expérience terminée. Je vous laisse. Je vais aller chez le docteur. J'ai un rendez-vous médical pour un truc qui m'inquiète de ouf. Sachant que c'est... Je sais pas du tout. Voilà, j'espère que c'est pas très grave ce que j'ai. Je me suis endormie, donc il est 14h30, hein. Je fais la sieste tous les jours, depuis que j'ai 17-18 ans, je pense, entre 20 et 30 minutes, sinon je peux pas tenir une journée entière. Waouh, oh, ça sent trop bon. Par contre, j'ai beau maigrir, le double menton, il a campé chez moi. Hein. Je suis à une semaine des partiels, donc mes partiels commencent lundi prochain. Comme j'ai fait dans mes vidéos des révisions, j'ai prévu un mois. Je pense que oui, il faut s'aérer l'esprit, mais il y a s'aérer l'esprit et s'aérer trop l'esprit. Le problème, c'est que quand je commence à m'aérer l'esprit, mon esprit revient plus, il part en vacances, il vient pas au partiel, donc non. Pour ceux qui me demandent et qui ne savent pas, j'ai donc eu mon S1. Je vous parlerai de tout ça quand j'aurai tout terminé. Pour vous, ça va être le moins intéressant de toute la journée parce que je vais faire que réviser jusqu'à 18h. Bon, il est actuellement 16h30. C'est l'heure du goûter. Bon, il est 20h, j'en peux plus, y'a plus rien qui rentre dans mon cerveau. Ce chat, j'ai réussi à me laisser distraire par un truc de candidat de télé-réalité qui m'a sacrément énervée. Message affiché, genre des pervers narcissiques. Ouah, ça m'avait l'air, il est 20h, donc je me suis dit, t'arrêtes. Je me suis dit, je vais essayer de faire du houmous. J'ai pas le mixeur, mais je vais essayer de le broyer moi-même, j'aime beaucoup trop le houmous. Let's go cuisine. Alors oui, vous me voyez trop dans ma cuisine, mais c'est quand même l'endroit où je passe le plus de temps en fait. Mais... il est en train de manger des plantes sèches derrière vous là. Et puis il met des coups de queue dans tout ce... Et bien voilà comment se termine ma journée, il est actuellement 23h30, je suis sur mon lit avec mon chat. Demain je le réveille à 8h à la place de 6h30, ça va me faire du bien. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et si jamais vous voulez d'autres vidéos dans le style, même si bon, je fais à peu près tout le temps la même chose. Quoique quand les partiels seront terminés, j'aurai une nouvelle routine. Aïe aïe aïe, pute que tu es. Jouer avec son chat sur le lit, c'est comme ça. Monsieur prend ce lit pour son territoire, donc quand je viens dessus, il me défonce. Oh putain, oh... Non, les yeux trop ronds là pour... Quand votre chat a les yeux ronds, c'est qu'il a... Il a envie de jouer. Montre ta vraie nature. Là, je fais pas la belle, hein, si je tends un bras. Voilà. Stop. Jumpy, stop. Frérot, stop. Jumpy. Non. Non. Et on a dompté la bête. Oh, elle est douce.